L'intervention d'entrée d'hier de Marc Alévy vraiment très structurante et son petit schéma tout simple avec la ligne verte et la ligne rouge a permis vraiment d'avoir une grille de lecture de tout ce qui s'est passé sur la suite. En fait, c'est un des rares événements en national et en local encore plus où on prend le temps. C'est-à-dire que les interventions ne sont pas courtes avec des questions-réponses très brèves et on court après le temps. Là, on a vraiment une heure pour rentrer dans le cœur de la pensée de la personne et accompagner aussi, nous, l'émergence de notre propre intelligence collective au sein de la salle. Donc, en même temps, c'est du temps de pause où on échange, où on réseaute, où tout ça. Et où, en même temps, on prend le temps de construire une pensée un peu collective en lien quand même et en connexion directe avec les préoccupations et les aspirations du moment. De l'éloge de la lenteur, c'est le cas de le dire, et on n'a plus forcément tous les jours cette capacité à prendre ce recul. La diversité des points de vue, des grilles de lecture des intervenants nous permet effectivement d'aller plus loin et d'essayer de retraduire ça dans nos actes. Deux jours où on arrête de penser au sens de la croissance et où on prend le temps pour de la croissance du sens. Et ça fait vraiment du bien, on en a besoin en ce moment. Un moment exceptionnel, hier des moments d'émotion extrêmement forts, y compris à la fermeture avec cette belle improvisation de Madame Hendrix. Je retiens vraiment ce qu'a dit Barbara Hendrix hier sur les vibrations. Vibration, j'ai bien aimé le mot parce que je trouve que c'est ça, c'est vibration. Des interventions qui nous amènent à prendre beaucoup de recul. J'espère qu'on saura profiter de ce recul pour pouvoir mettre en place des actions au quotidien, par petites touches, par petits pas, dans nos actions de gestion d'entreprise. Sens et croissance, c'est notre question quotidienne. Avec au sein de nos entreprises ou de nos institutions, la difficulté à rendre les deux compatibles, à savoir expliquer, à avoir des messages simples et compréhensibles auprès de nos collaborateurs. Et je pense qu'à travers tous les intervenants, on est en train de puiser nos messages, qui sont des messages de crédibilité et d'accompagnement. Ressourcer sur nos références et puis de se réinterroger sur les actions à mener. Moi, ce que j'adore vraiment dans cette université, là, c'est le fait d'arriver à avoir un mix de stimulation intellectuelle et émotionnelle, en fait. Et ça, je trouve que c'est une spécificité de cet événement, d'arriver à marier l'intelligence et l'émotion, et je trouve que c'est quelque chose d'assez fort. L'ensemble des intervenants a été de grande qualité. L'intérêt, c'est aussi l'éclectisme. Un vin merveilleux, un cadre exceptionnel. Je crois que l'humain est au cœur de toute la réflexion. Beaucoup de respect, beaucoup de connaissances. La bienveillance. Beaucoup d'interactions et beaucoup d'humanisme. La transversalité aussi. Voilà, ça donne la pêche, quoi. Ah bah ça fait du bien.